Bonjour à tous, c'est Sur de l'FTI et je reviens vous pour une petite vidéo. Alors sur deux petites choses. Alors j'en ai déjà un peu parlé dans les streams que je fais régulièrement et sur Twitch et sur YouTube, mais je voulais revenir dessus. Donc déjà la première chose c'est que la persistance. Questionnement qui peut être intéressant dans le jeu, c'est savoir quand est-ce que pourrait commencer la persistance, la vraie persistance, celle où on accumulerait des richesses, des vaisseaux sans qu'il y ait un reset au niveau des patchs. Et donc, après plusieurs recherches, j'ai trouvé une interview de Chris Roberts qui parlait de l'installation, évidemment, de toutes les dernières technologies importantes du jeu dont il a hâte de voir la fin, je pense, lui aussi. Donc, qui sont l'OCS, les serveurs meshing, et d'autres petites technologies qui vont apporter un gros plus sur les serveurs, en tout cas, et sur les clients. Alors, évidemment, ce sont les dernières pièces importantes de ces technologies qui pourront permettre à ce que vos comptes ne puissent ne plus être reset. Je m'explique. Aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle une installation, un démarrage de l'OCS client. Donc, vos clients permettent de charger moins de choses sur votre ordinateur pour avancer dans le jeu. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse la même chose sur les serveurs. Donc, il faut permettre aux serveurs d'afficher ce qui est nécessaire et de ne plus s'occuper de ce qui n'est pas nécessaire. Donc, en gros, les effets de population, donc nous, les joueurs, allons influencer toutes ces mécaniques de gameplay et de serveurs. Ce qui signifie qu'en gros, alors ça c'est l'incertitude aujourd'hui, mais en théorie, des groupes entiers peuvent être sur le même système et ne jamais se rencontrer. Le seul moyen qu'ils aient la possibilité de se rencontrer, ce serait qu'il y ait une mission en commun ou une mission qui soit l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Donc tout ça, ce sont les serveurs qui vont gérer les mécaniques qui vont vous permettre de soit vous croiser, soit de ne pas vous croiser. Il peut aussi y avoir des systèmes où il n'y a personne, il n'y a pas de joueurs, parce que c'est tellement immense que, et sachant qu'il n'y a que des PNJ, ces serveurs-là seront mis ce qu'on appelle entre guillemets en pause, en semi-pause, puisqu'il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas utiles à gérer pour le moment, puisqu'une personne n'ira. Et donc ça, c'est ce que les serveurs vont devoir calculer. Entre autres, à mon avis, les systèmes qui seront peut-être le moins visités au cours du jeu, ce sont tous les systèmes Vandoul, par exemple. Vous aurez effectivement des populations Vandoul PNJ qui se déplaceront sûrement. Donc ça, c'est un calcul d'une partie du serveur et évidemment toute la partie immense des galaxies, des systèmes, pardon, qui seront à gérer seront mis en stand-by tant que personne n'enverra une offensive en direction d'un système Vandoul. Donc tout ça soulagera évidemment une partie des serveurs. Voilà, je pensais avoir été clair, en tout cas je l'espère. Donc quand toutes ces mécaniques, donc je pense que les premiers tests se feront évidemment sur Stanton. L'idée, c'est de pouvoir instancier Stanton un maximum pour voir si les serveurs tiennent le coup et si les clients tiennent le coup aussi. Donc une fois que ces tests seront faits, donc aujourd'hui on teste sur Stanton, tout ça pourra être multiplié sur l'ensemble des systèmes qu'il faudra créer. Alors évidemment, sur Stanton, je pense qu'ils vont aussi tester le nombre de joueurs sur un serveur. Donc sûrement d'ici là, après, à mon avis, vous autour de la Trompoïde après, pas avant. On aura peut-être une augmentation du nombre de joueurs par serveur. Alors, on évalue entre 75, 100, voire peut-être même jusqu'à 200 joueurs par serveur, ce qui sera un vrai stress test, on va y arriver, pour vérifier que les serveurs tiennent bien un nombre de joueurs relativement important. Il y a deux étapes importantes dans les serveurs, il y a le serveur statique et le serveur dynamique. Le serveur statique, en gros, c'est ce qui représente tout ce qui est l'espace, donc le vide, les villes, les planètes. Qui sont donc servis par. Donc il y aura évidemment un serveur principal et des instances de serveurs dans tous les sens. Donc évidemment, le système statique qui va gérer tout ce qui est le serveur statique qui va gérer tout ce qui est lune, etc., va pouvoir mettre en pause ou pas des systèmes entiers de lune, de planètes, de villes qui ne sont pas visités par les joueurs. Donc tous ces serveurs seront évidemment beaucoup influencés par les joueurs. Et les serveurs dynamiques, on va appeler ça comme ça, qui seront la partie dynamique, qui seront donc tout ce qui est gestion de tous les objets, donc tout ce qui est économique, minage, donc tout ce qui est ressources, qui seront évidemment tout un marché qui va être calculé en fonction des zones. Vous le savez, plus vous achetez un bien dans un serveur, plus son coût va descendre.
et plus il y a de demandes sur marchandises, besoins, plus le prix va augmenter. Donc il y aura une mécanique qui va se mettre en place, et ça, ce qu'on va appeler les serveurs dynamiques. Donc a priori, aujourd'hui, avant la fin de l'année 2009, on n'aura pas du tout de persistance. Donc pour la 3.8, pas avant la 3.8, ça c'est sûr. Après la 3.8, tout dépendra effectivement de leur avancée sur les serveurs. Mais a priori, si on est dans les plus optimistes des estimations, on ne voit pas ça avant la fin 2020. Voilà. Sachant que, je le répète, leur priorité, ce n'est pas l'univers persistant, mais c'est bien Squadron 42. Et comme Squadron 42 ne sortira pas avant 2020 aujourd'hui, en tout cas, ils vont commencer à avancer et faire des tests, mais ils n'auront pas évidemment de mise en place de ce système avant, à mon avis, fin 2020. Vraiment courant 2020, fin 2020. Pas de précipitation là-dessus. Aujourd'hui, on peut effectivement vérifier quelques petites persistances dans les lits, ce qui est déjà un petit gros point et un très gros symbole pour moi, puisque le lit dans Wing Commander, par exemple, c'était les sauvegardes. Donc, je trouve que c'est très symbolique. Et ces mécaniques fonctionnent. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est que dans cette 3.6 qui arrive, une des choses qui m'a un peu sauté aux oreilles, aux yeux, je sais pas comment on dit l'expression dans ces cas-là, mais en tout cas, c'est qu'on nous parle de système procédural des stations. Alors, comme j'en avais parlé sur un live, donc je vais le remettre sur cette chaîne YouTube, pour être clair, on avait aussi parlé il y a très longtemps, sur un ATV, je crois, de souvenir, du système procédural des systèmes. Donc en fait, de la création des planètes, des lunes, etc. en procédural. Tout ça, c'était déjà mis en place à une époque où je crois que c'était déjà, on en parlait déjà au moment où la vidéo sur l'IR apparut. Comme quoi, ils avaient déjà été en train de mettre en place ce système-là. Donc déjà, on a un système de création de systèmes ainsi que de planètes et de lunes en procédural. Maintenant, on a un système de stations en procédural. Donc après, évidemment, il y aura tous les autres systèmes comme les biomes qui vont s'être mis en place. Mais aujourd'hui, comme ils créent beaucoup d'assets, et qu'après ces assets, il va falloir les créer automatiquement par ordinateur. Tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça signifie que déjà Squadron 42 avance, mais que pour la suite de Squadron 42, toute la partie univers sera en tout cas fonctionnelle au niveau de du procédural. Pardon. Mais ça veut dire quoi? Donc en fait, que les systèmes vont se créer, comme j'arrête pas de le dire, relativement rapidement grâce au système procédural, mais le seul petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, Star Citizen est lié à un lore. L'or, c'est toute une histoire qui sur chaque système qu'il va falloir suivre. Donc en gros, chacun des développeurs va devoir récupérer les instructions du lore pour les remettre sur les systèmes. Donc les systèmes qui vont arriver, il va falloir les peaufiner avec effectivement toute l'histoire qui existe dans ce système. Je peux donner par exemple un exemple. On peut dire par exemple avec les... Je crois que c'était avec les Banu. On a des temples Banu qui existent. Donc il va falloir mettre en place où il y a une histoire dessus. Donc il va y avoir sûrement des choses à visiter, des choses à découvrir dans ces parties-là. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a toute cette partie-là qu'il va falloir peaufiner au fur et à mesure et qui va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais déjà, si le procédural se met en place relativement rapidement, ensuite, évidemment, le problème vient aussi des serveurs qui aujourd'hui ne peuvent pas prendre en compte tous ces systèmes en même temps. Donc il faut que le système de serveur meshing et de CS serveur fonctionne aussi. Donc ça, c'est aussi un gros truc. Donc voilà. Donc moi, c'est ce mot procédural qui m'a vachement plu. Parce que c'est-à-dire que les outils qu'ils ont créés avec les assets, aujourd'hui, grâce aux assets qu'ils construisent, ils vont pouvoir en fait créer plus rapidement des stations. Donc là, pour le coup, les stations, elles commencent. Donc on aura les premières stations qui sont pas tout à fait finies, mais qui vont se finir au fur et à mesure, qui vont se peaufiner artistiquement et graphiquement. Donc on va le voir ça au fur et à mesure des patchs qui vont arriver, petits et gros. Voilà. A priori, on a l'air d'être d'accord avec certains évocatifs, ça peut être relativement rapide pour faire ça. Et surtout, le procédural de certaines stations que l'on va voir sur Stanton, je pense qu'il y a des stations qui ne seront pas sur Stanton, mais qui seront amenées à être dans d'autres systèmes. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, puisque quand on créera le système adéquat, on pourra y mettre directement les stations qui ont été créées. Donc, c'est une sorte d'avancée sur le futur. Et l'autre truc auquel j'attends évidemment énormément, ce sont tous les assets extraterrestres. Banu, Shian, Vandul, etc. Terrav aussi, parce que tout ça va être des assets importants. Alors soit ils travaillent déjà dessus, mais ça j'en ai pas entendu trop parler, sauf le côté avec le Defender, le Banu, et évidemment les Vandul auxquels ils travaillent déjà énormément depuis un moment dessus grâce à Squadron 42. Donc on aurait déjà des assets de Banu, des assets de Vandul, et il restera encore les Shian et Terrav
à essayer de pouvoir mettre en place. Donc à partir du moment où ils ont des assets de départ, ils savent développer sur les autres, sur le reste. Donc on ira ce qu'on appelle une ligne directive du graphisme et des arts à faire sur le jeu. Voilà, et ça j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, en tout cas qui est un petit peu plus longue que d'habitude sûrement. Mais j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.